5 minutes. Jusqu'à cet après-midi, ça s'était bien passé. J'avais pris un bon départ là, au début de l'après-midi. Et puis, dès les premiers bourbiers, je me suis enlisé. Puis là, avec la neige, c'est dur. T'en peux plus ? Ouais, je suis mort. Physique, donc, pas mécanique. Ouais, physique. C'était la première fois ? Ouais. Ça a l'air triste. Il n'y a rien de dur, mais c'est le physique. Hein. Ouais. Puis ce matin 6h. Puis avec la nuit il va faire froid. Lorsque la nuit s'installe définitivement, la neige recommence à tomber et le gel fait son apparition, transformant le moindre faux plat en véritable patinoire. Le Limousin, si paisible et si accueillant d'ordinaire, se transforme alors en enfer. Apparemment j'ai la bielle qui colle sur la moto et j'arrive pas à monter les côtes. Elle va casser. Putain c'est la folie, c'est la folie. Bah, je prends un trou dans la boue et je tapais le guidon, je suis passé par-dessus et je me suis pris un coup là, du guidon sous les côtes et ça me mine de plus en plus. Quoi. Ça, j'arrive plus à respirer, quoi. Je dois avoir une côte de froissé ou je sais pas et je roule mais je peux plus me mettre debout, ça me tasse. Et... J'arrive plus, ça me fait trop mal. Tu veux aller au bout là ? Non, là j'arrête. Fini ? Ah ouais, là c'est fini, là je peux plus, c'est trop dur. Ça me fait trop mal, j'arrive pas à respirer. J'arrête tout là. Le premier bourbier, je suis resté une demi-heure dedans. Alors maintenant je fais ma vie. Hein. Pas trop mal parti là. Ouais, j'étais un peu dégoûté au début, mais bon, maintenant je roule. C'est sympa la neige et la lumière, ça fait des jolis trucs. Ah, j'essaye de le prendre avec philosophie parce que sinon on rentre vite à sa maison. Hein. Ah, c'était toi ? Tu m'as reconnu ? Et l'endroit où tu m'as filmé l'année dernière à la même heure, je suis passé en roue arrière cette année. Ça va mieux là. Allez go ! De la graisse, de la graisse. On va essayer d'aller au bout. De la graisse ? Là, tu me regardes. Donne-moi à bouffer. Tiens, prends ça. Comment ça déjà ? Oh ben écoute, ça commence à faire tirer là. Il me tarde d'arriver dans mon programme. Il me tarde d'arriver. Coup de pompe. Ouais. J'ai des problèmes dans la pas assez mangé, pas assez bu. Le froid. Hein ? J'aurais pu tenir le meilleur bout. Mais bon.
Le corbeau mort, enfin, la délivrance. Dans cette incroyable montée, ils sont plus de 3000 à s'être entassés pour assister à l'arrivée de ces surhommes élevés au rang de héros. Une ambiance irréelle va accompagner les 15 survivants jusqu'au bout. 15 stars épuisés, mais transportés par la foule et surtout par le souffle de cette course hors du commun. Aujourd'hui, c'est sûr, la Gilles Lallet Classique est bien la course la plus dure du monde et ses finishers, ceux qui sont allés au bout, ne seront plus jamais des pilotes comme les autres. Johnson, en tout cas, signe un doublé historique en haut du corbeau mort devant Ken Carlson, avec qui il partagera les honneurs et la prime d'arrivée. Charbonnel, héroïque 3e après les ennuis d'Olivier, Charbonnier 4e et Peter Hansel 5e. Les Français ont tout tenté, en vain. Le 15e homme passera la ligne d'arrivée près de 2h30 après les Suédois, mais rentrera lui aussi de plein pied dans la légende de cette course, vraiment pas comme les autres. Et il monte bien, regardez! Il monte bien! L'écureuil qui grimpe! L'écureuil grimpe! Laurent Charbonnel, sur la troisième marche du podium, les premiers Français! Il est poussé, happé, hissé! Il ne doit plus trop savoir où il est dans cette marée humaine! Roscoe à l'arrivée! C'est Carby, j'entends dire c'est Carby. Oui. Oh oui, c'est Carby. Et il monte tout seul. Oh oui, c'est Carby. Et il monte tout seul. Oh là là, Carby, à 15 mètres près, après y grimper tout seul au corbeau mort. Il peut dégager, Carby carte encore. Il a failli monter le corbeau mort en solo.